Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Arweaven. Et voilà, donc c'était un nouveau chapitre, il me semble. J'ai 4 balles dans mon shotgun. On va faire... Ah oui, on était rentré dans l'église où il y avait Kidman. Ainsi que probablement Leslie qui était rentrée. Et je suppose qu'on va aller chercher. Alors, petit point munitions, j'ai pas grand chose histoire de changer un peu. Regarde, vite fait, s'il n'y a pas quelque chose... Ou oh, attendez, il y a... Joseph se sent pas très bien. Joseph. On me donne pas de munitions ni rien. Joseph, j'espère ne pas devoir te... abréger tes souffrances, parce que ça m'embêterait vraiment. C'était proche. Ah, c'est ce qu'on entend, ok. Des munitions. Oh mon dieu, j'ai 6 balles dans mon shotgun. Joseph, ça va? On doit rester ensemble, c'est le seul moyen. On est là. Pas de panique, on arrive. D'ici quelques secondes, je ramasse juste ce bout de choses. Et ainsi que ce fragment de carte numéro 13. Et voilà. Ah, faut trouver. Mais Joseph, ah. Mais comment ils sont allés là-dedans? Hé, hey, Joseph, est-ce que ça va? Joseph, t'as pas un truc dans ton carnet qui te dit quoi faire là? Cinématique. Cinématarique. Sébastien, ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de sauter? Quand t'es au dernier étage, ou... ou quand le métro passe? Non. Imagine que t'en aies envie pendant une minute entière. Puis 2 minutes et... Ah. Ça fait 3 fois que tu résistes, Joseph. T'apprends à le contrôler. Tu m'écoutes pas. J'ai pas peur de perdre le contrôle, Seb. J'ai peur de plus avoir envie de le contrôler. Ah. Non, il enlève ses lunettes. Une partie de moi veut céder. Je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à me raisonner. C'est bien plus profond. C'est comme un instinct. Je me prépare. On a un énorme cerveau. Et c'est de plus en plus fort. Joseph, ça va être un boss, je le sens. Un jour ou l'autre. Tiens bon. Je vais lui injecter de la médecine. Le jeu me force à utiliser une seringue, quoi, c'est n'importe quoi. Oh non, Rubik, ah oui, je l'avais oublié, lui. On l'a pas vu dans le chapitre précédent. Oh punaise. Ça défie toutes les lois de la nature. Comme si c'était le premier truc du jeu qui défiait les lois de la nature. Alors ça a l'air très embêtant. Joseph, il vole pas. Comme c'est pratique pour téléporter le joueur ailleurs. Il tombe à travers le sol. Oh, chapitre 7. Le gardien. Génial, un niveau encore plus impressionnant, enfin je veux dire encore plus... Comment dire, oui, j'ai encore plus envie de le visiter que les niveaux précédents. Ou pas. Y'a rien... Ah 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 ah. Oh, on le voyait presque pas. Un petit 300. Qu'est-ce que c'est... Oh, c'est Leslie. Leslie, je veux bien retrouver des partenaires. Oh, des balles. Non, avant tu dois récolter des munitions parce que, voilà. Tu les utilises un peu trop, Sébastien. Bonjour, attendez. Bonjour, non, c'est rien du tout, c'est juste du décor. Enfin, je crois. J'ai du mal à croire que cette pièce ne sert juste que de décor, mais bon. C'est pas grave. Il y a un magnifique portrait de... Je ne sais pas trop qui... Ah, 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 c'est peut-être par là que je dois aller, attendez.
Genre, ils ont mis une bombe. Puis, vous savez, c'est genre... Ils ont mis un truc de munitions juste à côté, comme ça on est bien obligé de la désamorcer. Ou pas. Ah voilà. Bon, j'ai perdu les trucs, vous allez me dire, mais bon, je voulais pas risquer de enfin bref. De rater mon désamorçage. Bon, c'est pas grave. Bon, on va sortir de cette pièce. Bon, j'ai trouvé quelques munitions, là, 8-4, 5-1, 2 de sniper, ça c'était avant. Ok, bon bah, je suppose qu'on continue. Je sens pas cet endroit, mais bon, c'est pas grave. Je sens pas du tout ce niveau, en fait. Genre, ils m'ont repéré, quoi. Genre, d'où il m'a vu, lui. Et ça brûle. Voilà. Ramasser une grenade. Une grenade. J'aime bien la grenade, elle est dans sa boîte, vous savez, genre, le mec qui transporte la boîte avec la grenade sur lui. Super cool. Oh, 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 mon dieu! On me donne deux trucs! Eh, j'ai 12 000, faudrait peut-être que je les dépense un jour quand même, parce que... Oh, mon dieu, encore! Oh, mon dieu, je peux me cacher dedans! Plus 1000! La démunition de sniper. Là, oh mon dieu, on m'a redonné plein de trucs. Genre, il va y avoir un boss, quoi. Bon. Y'a pas de piège, hein. Y'a un petit rat. Cette porte, je la sens pas du tout, là. Ouh, je ne peux plus courir. Qu'est-ce qui se passe? Y'a tout qui éclate, Oh, c'est juste un coup de vent. Tout de suite, le paranormal. Un coup de vent. Ah. Bon. Et du coup, ça s'ouvre pas de manière magique, là, parce que... Examiner. J'appuie un petit peu partout sur la porte. Ça ne tient pas. Vieux bas-relief. Ce fragment de bas-relief a été arraché d'une porte en pierre et servait manifestement de clé. Les énormes flaques. Les énormes machins de cerveau, c'est génial. Désamorcer, j'ai peur. J'ai peur de rater un désamorçage. Monsieur. Ah bah non. Ah non, faut juste maintenir, ok, c'est cool. De toute façon, j'ai plein de vie. Ouais, une clé. Ah, c'est vrai, j'en trouve plus beaucoup des clés. Je dois pas assez bien regarder. Je suis sûr que vous me voyez passer à côté de plein de clés et vous me dites rien du tout. Non, mais c'est un peu les bonus du jeu et voilà. Note des catacombes au secours, le martèlement métallique, il revient. J'ai beaucoup rien, je me suis. Pitié, aidez-moi, au secours, aidez-moi. J'arrive pas. Je vais mettre ça dans ma poche. Dans la poche arrière de mon pantalon. Ouh. C'est bizarre, c'est un peu trop calme ce niveau là, il se passe rien. Ah, point de contrôle. Il suffisait de demander. Si on a un point de contrôle, c'est qu'il va se passer des choses. Et c'est quand qu'on joue à Kinman? Et Kinman, elle va où d'ailleurs? Oh merde! C'est quoi ce gars? Ah, c'est le mec de... Oui, je reconnais ce gars, il est dans la promotion du jeu, vous savez. Dans la pub, tout ça. Il a sa petite boîte sur la tête. Pour faire genre, je suis trop dark. Je me donne un style pour faire méchant, vous voyez. Genre, ouais, il y a une arme, je peux plus porter de munitions en plus, là. Non, mais c'est improbable. Le mec, il met des fioles comme ça dans son pantalon. Par contre, une petite balle, c'est trop, quoi. À mon avis, je dois le casser au truc. C'est pour ça qu'on nous a filé des munitions. Espace.
J'espère que c'est encore une pièce qui sert à rien. Ah ah ah, il y a une sauvegarde par là. Hop. Alors là, celui qui rate le journal de Sébastien, il est fort. Hein. Police. Faire part du naissance de Lily. Le 18 juillet 2006, à 9h56, 3 kg 31, 35 cm. Il déborde de fierté. Oh, j'ai de la fierté qui sort par les oreilles et le nez. Attention. Catacomb found beneath Parish. Voilà. Des catacombes sous l'église. Pasteur dit que cela n'a rien d'exceptionnel, qui était en charge des lieux. On est du genre anxieux. Mais n'importe quoi. Je dénie. Chris disparu, Chris Taylor contre maître de chantier. A disparu alors qu'il supervisait la réparation du plancher effondré de l'église. On va aller déjà s'améliorer. Oh, j'ai tellement envie de m'améliorer. Et, ah, peut-être ramasser une clé avant. Bon, je vais ouvrir complètement au pif cette porte. Celle-là, voilà. Du formol, enfin du cerveau. Enfin du voilà, 5000. Oh mon dieu, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. C'est parti. Bon, munitions pour fusil à pompe, j'ai un peu augmenté parce que... C'est vrai que j'en ai déjà 5. On peut mettre que 3 en plus, quoi. Bon, je vais peut-être continuer d'améliorer les revolvers vu que j'utilise énormément. Multiplicateur de dégâts. Peut-être un petit coup critique. J'aime bien parce que je m'améliore le cerveau, ça me permet de mettre plus de balles dans mon chargeur. C'est génial. On n'arrête pas le progrès. Ah oui, et puis j'ai le sniper maintenant. On va peut-être augmenter la vitesse de rechargement parce que 3 secondes 83. C'est énorme. Mais vraiment d'une énormitude sans précédent. Voilà, 3 secondes, c'est déjà mieux. Peut-être un peu la cadence de tir. Et puis les dégâts. Voilà. Oh. On sauvegarde. Et on sort. 4. Ah, mais oui, attendez. Mais je reconnais tout ça, c'est les clés. Ça s'adapte. Ça s'adapte. Il y a 3 clés, mais il en faut qu'une. Par contre, j'ai pas forcément envie de suivre le bonhomme. Ah, à mon avis, on va choper la deuxième clé. Et la troisième clé. Il va y avoir une clé par pièce, à mon avis. Sors tes armes. Il est tout le temps en train de ranger son arme à chaque fois. Une porte qui s'ouvre, il range son arme. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a par là? Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Il y a des bougies. Boogie, boogie, boogie. Ah, c'est l'atelier de fabrication des pièges, c'est génial. Là, il y a du cerveau. J'ai pas envie de faire du bruit, je sais pas pourquoi, je... Ah, 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 ah. Encore du cerveau. Toujours plus de cerveau. Bizarre. J'ai vraiment du mal à croire qu'il y aurait personne ici, ni rien. On va juste ramasser la clé. Ce cafard, ce profiteur, il s'est servi de moi. Il a volé mon travail. J'aimerais bien savoir comment il a trouvé la combinaison de mon coffre. Mais j'ai mieux à faire pour le moment. J'y suis presque. Personne ne touchera à ces données, sauf moi. Elles sont à moi. Ma seule issue. Si quelqu'un d'autre ouvre ce coffre, il devra en payer le prix. On va peut-être pas se mettre sous le piège. Mais est-ce qu'il y a un vrai intérêt à mettre le piège? Attendez, on va aller par là avant. On voit que dalle! Plein. Plein. Je suis plein. Oh, je suis enfermé. On va avancer tout doucement. Piège, 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 piège. Qu'est-ce que... Je sens pas du tout cette pièce. Allez, analysons d'abord le truc au plafond. Je crois que je cours à une mort certaine.
Quel est l'intérêt? Attendez, j'ai une idée. En plus, on nous met des balles. Comment je suis trop fort? Enfin, y en a un autre juste au-dessus, hein, mais bon. Ah, ça remonte. Ah, genre, il est vivant! Ah, ça s'arrête. On va vite y aller quand même avant qu'il se passe quelque chose d'autre. Ça va. Finalement, s'il n'y a pas de piège. Point de contrôle! Et ouais. Ah, je suis au-dessus, je crois. Non, en fait, pas du tout. C'est pas je du. Je sens que c'est un piège. Son deck. Je sens que c'est un piège. Regardez, il y a un passage par là. Je sens que c'est un piège, mais avant, il pensait pas que c'était un piège juste en bas. C'est pas pourquoi tout à coup c'est un piège. C'est le même dispositif, mais. Ouverture. Voilà. C'est pas ouverture, c'est des amorçages. Une bouteille. Hey. T'es réveillé? Ça va, il a lâché son liquide vert, c'est qu'il est mort. On voit que dalle! Utiliser! Oh, punaise! Genre, je peux pas partir? Quitte ça! Mais non, mais on peut pas! Ouch! Ah ouais, ça fait un peu mal. Il me laisse même pas combattre, quoi. Est-ce que ça va marcher? Non. Attendez. La malintitude. Mais utilise-le! Mais quel mauvais! C'est le mec? Oh, le gars il monte, il va se faire broyer. Non, tu vas mourir d'une intense souffrance. En fait, j'ai juste l'impression qu'il est coincé. En fait, j'ai coincé le monsieur. Bah, je suis un peu obligé de le tuer parce que je vois même pas quoi. Tiens, dans les entrejambes. Genre, il y en a un autre quelque part. Ah, il est coincé là. Ouais, bah j'aurais aimé faire ça mieux, mais je suis désolé. Voilà, il a fait le bruit genre je souffre. Ah, mais lui il est tombé. Genre, il a volé en arrière quoi. Voilà. Parfait. Tout mon plan s'est déroulé comme pas prévu, mais c'est pas grave. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis enfermé, d'accord. Histoire de changer un peu. Je vois que dalle, histoire de changer un peu également. Genre, attention, tu tombes. Oh
Oh ben, je te tire un peu dedans, mec. Munition. Ouais, problème de munitions. Voilà. Bon bah tout s'est bien passé. À peu près, j'ai juste plus de munitions, mais c'est un détail. La clé. La clé. Et voilà. Oh, et on m'évite de refaire tout le tour. Mais quelle bonté. Bon, ça va terminer notre épisode. La prochaine fois, on ira chercher l'autre clé. Voilà, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben à plus.